Bonjour, je voulais aujourd'hui vous faire partager mon coup de cœur. C'est un coup de cœur pour une lithographie qui a été réalisée par Félix Valeton pour le théâtre. C'est d'ailleurs un programme de théâtre qui a été réalisé pour le théâtre de l'œuvre. Théâtre de l'œuvre qui avait été organisé, initié par Aurélien Luniepo, qui était un ami depuis l'origine du groupe des Nabis, un ami de Bonnard, un ami de Vuillard, un ami de Maurice Denis, auquel Valeton va participer. Et ici, eh bien, Aurélien Luniepo avait décidé de monter une pièce du dramaturge norvégien Auguste Strindberg, ce qui était très moderne à l'époque, très original, très audacieux aussi, pièce qui était celle de Père, pièce très difficile, très brutale, dans laquelle un père apprenait qu'il n'était peut-être pas le père biologique de l'enfant qu'il a eu. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on a ici ce détail si étonnant de ce père qui se morfond dans une tristesse infinie à côté de son enfant et de sa femme. Mais cette estampe, cette lithographie de Félix Valeton nous dit aussi autre chose. Parce que nous avons ici, dans la partie droite, à la fois une publicité pour la lecture de la Revue Blanche, dans laquelle, Revue Blanche qui était dirigée par les frères Nathanson, dans laquelle on a un article d'Henri Albert sur Auguste Strindberg, et puis l'on a aussi une publicité pour les éditions d'art de l'estampe original, ce qui nous ramène encore à un autre aspect de l'activité de Valeton, c'est-à-dire la réalisation d'estampes de luxe, aussi d'estampes de diffusion pour des albums d'estampes, notamment ceux d'André Marty, de l'estampe originale. Et d'ailleurs, l'on voit ici un artiste en train de regarder le résultat de son estampe sur la pierre lithographique, tandis que l'on voit les bras de la presse qui est à l'arrière-plan. En réalité, cette estampe est loin d'être banale, elle nous dit beaucoup de choses sur les engagements artistiques, intellectuels, littéraires du groupe des Nabis et de Félix Valeton en particulier.